Et donc, votre mère est partie. Qu'avez-vous ressenti alors? C'était étrange. Je comprends pas. Je comprends pas sa réaction. Elle s'est braquée quand j'ai parlé de la proposition de mentor, quand j'ai parlé du bateau. Je vois. Et qu'avez-vous fait après? J'étais énervé. J'avais besoin de voir ma copine et j'appelais Athéna. Et elle est arrivée assez rapidement. Bon, raconte-moi alors, qu'est-ce qui s'est passé avec ta mère? Je sais pas. J'ai commencé à lui parler de ma peur de l'eau et ça devient problématique dans ma vie quotidienne. Avec tout, avec les cours. J'étais voir le prof et je sais même pas comment je vais faire pour l'épreuve du bac. Ça commence à me prendre la tête. Et ma mère, j'ai pas compris. Quand je lui ai parlé de la proposition de mentor, elle a vrillé. En même temps, je peux la comprendre. Écoute, ça fait un moment déjà. On cherche des solutions et j'ai l'impression que tu fais pas d'efforts. Pardon, je fais pas d'efforts. Tu vois bien que ça me pèse, que c'est un handicap pour moi, que ça me ronge. Oui, je sais bien, je suis ta copine, je suis la première à le savoir. On peut pas partir en vacances en bord de mer. Je peux pas partager ma passion avec toi pour la plongée et aller au cinéma, c'est devenir un périple s'il pleut. Je suis là pour toi, mais il faut que tu fasses le premier pas. Je peux pas te tenir la main, ça me pèse à moi aussi. J'ai l'impression que personne ne me comprend. Si tu commences à t'y mettre aussi, ça devient vite l'enfer. Tu ressembles de plus en plus à ma mère. Bon, écoute, Télémaque, je sais plus comment faire. Quand tu auras décidé de faire quelque chose, tu reviens vers moi. Je vois. Elle est donc partie comme votre mère. Ça a été dur pour vous, non? Oui. Je me suis senti seul, seul au monde, comme sur une île. Qu'avez-vous fait après? Qu'avez-vous fait après? J'étais énervé. Fallait que je brise quelque chose. Je vois. Et c'est tout? Il y avait des éclats partout. J'avais mal. J'avais mal à la main. Je saignais. Vous êtes bien sûr qu'il ne s'est rien passé ensuite? Je vois. Et ensuite? Je ne sais pas où nous allons maintenant. Je ne sais pas quelle ville, quel continent. Quel océan je vais découvrir? Mais nous voyons plus clair maintenant. Je suis confiant. Je n'ai plus peur.
gâté les maths. On t'attend avec un T9.